le carnaval des animaux. Voilà le film The Surfer, une séance hors compétition, un film de minuit signé du cinéaste Lorcan Finnegan qu'on voit à l'image. C'est un cinéaste qui est déjà venu à Cannes, mais plutôt à la Semaine de la Critique avec un film qui s'appelait Vivarium. On voit Nicolas Cage dans le casting. On voit aussi Julian McMahon, le célèbre héros de la série Nip Tuck. L'histoire, c'est un film de surf. Un homme qui revient sur la plage idyllique de son enfance avec son fils. Mais leur escapade va tourner au cauchemar lorsqu'un gang de surfeurs du coin leur interdit l'accès à l'océan. Humilié et menacé, le père de famille va devoir se battre pour reconquérir son territoire et l'estime de son fils. Mais l'atmosphère étouffante s'engage et mène à une lutte qui mènera le personnage au cœur de la folie. C'est inspiré d'un roman de surf noir et de la nouvelle de John Cheever, The Swimmer, et aussi un incendie violent que le réalisateur a aperçu il y a quelques années lorsqu'il a vu deux surfeurs se battre violemment pour le droit de surfer sur une plage près de Sydney. Ça l'a poussé à l'intéresser à ce qu'on appelle le localisme, un comportement territorial extrême qu'on trouve presque exclusivement chez les hommes et qui sévit beaucoup dans les communautés de surfeurs du monde entier. Il voulait écrire un film qui aborde directement le sujet de la violence masculine, physique et psychologique, ainsi que les cycles toxiques d'agression qui se transmettent de génération en génération et qu'on trouve partout, même dans les sociétés les plus progressistes. Sur le tapis rouge, vous pouvez voir le cinéaste irlandais, mais aussi le scénariste et coproducteur Thomas Martin. Nicolas Cage, bien sûr, Julian McMahon, Alexander Bertrand, acteur australien. Nicolas Cage a choisi son nom. Il a pris le nom de Cage en référence au super-héros de Luke Cage, dont il est fan.
une séance officielle hors compétition, une séance de minuit, un film qui donc va déménager. Une histoire de surf. L'équipe du film qui grimpe les marges, accueillie par le délégué général du Festival de Cannes. La belle brochette du film Les Surfeurs de Lorgan Finnegan en compétition de minuit et qui relate le parcours d'un père et de son fils qui se voient exclus d'une plage par un groupe de surfeurs et qui mènera sans doute le personnage à la folie. Nicolas Cage qui salue la foule. Il était venu pour Soler et Lula, Palme d'Or de David Lynch en 1994. Il était venu aussi pour d'autres films, dont celui d'Alan Baker. Les voilà qui entrent dans le palais des festivals. Et on vous laisse apprécier le spectacle. On se retrouve très vite sur Télé Festival. Bonne soirée. Yeah.